comment on insère donc la résilience dans les documents programmatiques. En prenant le cas de la COVID, mais c'est quelque chose qui s'applique à tous les types d'aléas, que ce soit la COVID ou les inondations, l'approche est la même. Et en prenant la COVID ici, les résultats vont être formulés en tenant compte de la COVID. Donc, la première étape de cet exercice va consister à formuler les niveaux de résultats qui sont les éléments de vision, les impacts, les effets. C'est ça, les niveaux de résultats. Et au-delà des résultats, l'opération va consister à formuler les produits qui vont permettre l'obtention des effets. Donc, ça, c'est vraiment cette première étape. Mais pour le faire, on considère que la vision est donnée, parce que la vision ne couvre pas que la gestion des catastrophes, ne couvre pas que la résilience. Ça concerne l'ensemble des domaines d'action, les domaines socio-économiques du pays. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire dans le cadre de cet exercice. La deuxième chose qui est importante au niveau de cette étape, on considère que les impacts qui vont être utilisés comme niveau d'impact, le niveau de résultat ici, correspondent aux pertes humaines et matérielles. Et toute la politique de résilience va consister à les minimiser, c'est-à-dire que toutes les actions que l'on va prendre au niveau des étapes de la résilience sont destinées à réduire les pertes humaines et les pertes matérielles. C'est pour ça que c'est le niveau de résultat qui suit celui de la vision. Après les impacts, il y a les effets qui sont formulés sur la base des 5 phases de la résilience que nous avons vues tantôt. Et ces effets sont formulés pour exprimer l'efficacité des services qui sont censés, comment dirais-je, servir les populations dans les différents domaines, en lien avec la catastrophe concernée. C'est-à-dire, on estime que si ces services fonctionnent correctement, les pertes humaines en cas de catastrophe seraient minimisées, les pertes matérielles également. C'est pour ça que, au niveau des effets, ce que l'on va rechercher, c'est l'efficacité de ces services-là. Mais ces pertes ne sont pas liées qu'aux services. Il y a également les comportements des populations qui peuvent exprimer, qui peuvent être à l'origine, hein, de certaines pertes humaines ou pertes matérielles. C'est pour ça que les effets vont également exprimer la nécessité qu'il y ait des comportements vertueux de la part des populations pour minimiser les impacts, tels que mentionnés ici. Et il faut également formuler les produits. Et ces produits sont représentés par tout ce que détenteurs de droits et porteurs d'obligations, c'est-à-dire détenteurs de droits, ce sont en général les populations et les porteurs d'obligations qui sont les administrations, mais c'est plus large dans un sens pratique. On peut avoir des populations aussi qui sont, entre guillemets, porteurs d'obligations. Donc, les produits, c'est tout ce que les détenteurs de droits et les porteurs d'obligations doivent utiliser pour l'obtention des effets. Et qu'ils vous souviennent, dans le cadre du module 2, les effets sont considérés comme ce que nous avons appelé la transformation décisive. Au niveau des effets que s'obtiennent les transformations décisives. Et pour que ces transformations décisives aient lieu, il faut que porteurs d'obligations et détenteurs d'obligations utilisent ou consomment les produits qui ont été conçus pour pouvoir donc réaliser ces effets-là, pour réaliser ces transformations décisives. Donc, c'est tout ce que ils doivent utiliser ou consommer pour l'obtention des effets. Alors, donc ici, nous avons essayé au niveau de cette diapo de proposer des formulations d'effets basées sur les 5 phases de la résilience. Vous avez le premier qui concerne les administrations centrales, déconcentrées, décentralisées, ainsi que la population assure. Vous voyez, assure est utilisé pour montrer la performance qui est attendue
des différentes composantes du libellé de premier effet. Vous voyez qu'il y a les administrations centrales déconcentrées, ainsi de suite. C'est la même chose qui a été faite avec chacune des phases de la résilience. Donc, vous avez la phase prévention, la phase préparation, la phase, la phase réponse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chacune des phases a son effet. Mais en termes d'orientation résultat, ces effets composites vont être difficiles à manager. C'est pour ça que pour poursuivre le travail, les autres phases de l'intégration, il va falloir les casser en éléments simples. Donc, on va reformuler le premier effet rien que pour les administrations centrales, ensuite rien que pour les services déconcentrés, et ainsi de suite, et pour la population. Faire de même pour les autres effets, et en ce moment, on pourra poursuivre les phases suivantes sur la base de chaque sous-effet. Donc, c'est un travail colossal, comme vous pouvez vous en rendre compte, mais sans cela, vous n'allez pas avoir quelque chose d'exploitable qui permettrait donc d'avoir une réponse efficace en termes de résilience. Donc, la deuxième étape va consister à formuler les finalités et les livrables qui sont liés à chacun de ces effets-là. Donc, qu'est-ce que l'on attend des administrations, qu'est-ce qu'on attend des populations, ainsi de suite. Donc, cette étape va consister à décomposer, comme je l'ai tantôt dit, ensuite à formuler les sous-effets, formuler les finalités et les livrables des sous-effets. Et ensuite, seulement, on passe à l'étape 3. Et l'étape 3 va simplement consister à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les administrations centrales, aujourd'hui, n'arrivent pas à assurer leur rôle. Et les réponses vont nous permettre d'avoir ce qu'il faut faire, en particulier ce qu'il faut comme produit pour que ces administrations fassent leur travail correctement. Il en sera de même pour les populations. Et à la quatrième étape, on va formuler les produits. Mais les produits ne sont rien d'autre que les réponses aux causes structurelles qui découlent de l'étape précédente. Et la cinquième étape, c'est juste de formuler le cadre de résultats que dans le cadre de la PBFL, la planification basée sur les finalités et les livrables, nous avons appelé cadre des transformations décisives et vertueuses. Et l'étape 6, une fois qu'on a ce cadre de résultats, il s'agira juste d'intégrer les produits et les niveaux de résultats, soit dans le plan de développement, ou bien dans les documents sectoriels, dans les stratégies sectorielles. Alors, si vous faites le travail en utilisant la PBFL tel que c'est décrit, votre plan vous permettra de tirer parti de tous les avantages décrits au module 2 du cours relativement à la PBFL. Parce que comme on l'a décrit au module 2, vous avez énormément d'avantages à utiliser la PBFL. Donc, vous allez avoir des plans qui sont très orientés résultats, faciles à mettre en œuvre, qui vont faciliter la coopération, le développement, qui vont faciliter l'intégration de l'inclusion, ainsi de suite, pour ne citer que ces avantages-là. Donc, ce qui est aussi une des caractéristiques de ce plan, c'est que la coordination multisectorielle devient facile parce qu'au niveau de l'impact, vous aurez les effets et c'est au niveau des effets que vous allez avoir chacun des ministères qui sont efficaces ou ne le sont pas. Et vous descendez plus bas, vous allez pouvoir donc vous rendre compte de ce que chaque entité doit faire pour être efficace dans le rôle qui est le sien en termes de gestion des catastrophes. Donc, voilà, un peu pour vous exercer, il y a deux questions de réflexion qui vous sont proposées. Et là, donc, vous avez la première question qui a plusieurs volets. Et
La deuxième question qui permet de connaître un peu les défis auxquels vous avez été confronté dans la gestion de la COVID-19 dans votre pays. Donc, ça, c'est des brèves de comptoir, une brève de comptoir, disant que la meilleure prévention contre la COVID, c'est de ne pas l'attraper. Et pour ne pas l'attraper, il y a certainement des dispositions qui feraient partie donc du cadre de résilience que nous venons de voir. Merci de votre aimable attention.